Patrick à la guitare, Nicolas à la contrebasse et Paul au piano. Ils ont leur truc à eux. Ils ont pris des textes de Brassens, orphelin de musique, et ils ont recréé, enfin ils ont créé des harmonies pour accompagner ces textes en respectant l'univers musical de Brassens. Ils étaient ce matin sur le parvis des Halles, ils sont déjà venus chez nous, donc on accueille le groupe Myosotis. Merci. Brassens, bien sûr, vous connaissez. Mais savez-vous qu'il a laissé des textes orphelins de musique, des poèmes sans ligne mélodique, empoussiérés dans les tiroirs de la SACEM? À quelle histoire! Nous les avons, avec patience, sortis de ce triste silence. Ce soir, on vient vous les chanter, heureux d'être devant vous. Ne restez pas là sur le côté, venez, approchez-vous. Au comptoir des chansons, qu'on chante jusqu'à plus soif, histoire d'oublier un brin nos regrets éternels. Au comptoir des chansons, qu'on danse ça décoiffe, et jusqu'au petit matin, laissez nos cœurs s'enivrer avec elle. Tranquille, peinard, sans prise de tête, avec plaisir, tout simplement, on vient célébrer ce poète qui fume sa pipe au firmament. Dans quelques semaines, quelle frénésie, car le temps finit par passer. Des souvenirs pleins de poésie viendront parfumer vos pensées. Ce soir, y a pas à hésiter, même si ça devient flou. Y a juste à se laisser renvoûter, et puis basta, et puis zou. Au comptoir des chansons, qu'on chante jusqu'à plus soif, histoire de laisser au vestiaire nos illusions qui chancèlent. Au comptoir des chansons, qu'on danse ça décoiffe, et un peu comme on prend l'air, laisser nos cœurs. Au comptoir des chansons, qu'on chante jusqu'à plus soif, histoire d'oublier enfin nos regrets éternels. Au comptoir des chansons, qu'on danse ça décoiffe, et sans penser à demain, laisser nos cœurs s'envoler avec elle. Merci beaucoup. Donc vous l'avez deviné, on a mis en musique des textes que Brassens n'avait pas mis en musique. On n'est pas les seuls à avoir fait cette chose. Nous, on a la particularité d'en avoir fait beaucoup et de les avoir rassemblés. Pour vous, pour nous, pour tous. Comme vous le savez, il aimait beaucoup les fleurs, notamment le Myosotis, qui était une de ses préférées. C'est pour ça qu'on s'est appelé Myosotis Trio, tout simplement. Et trio, pour des raisons mathématiques, uniquement. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. En hommage aux fleurs, voici Discours de fleurs.
sachant bien même que si je suis amoureux transi, jamais ma main ne les cueille, de bon cœur les fleurs m'accueillent, et m'esquivant des salons où l'on déblatère, où l'on tient des propos byzantins, je vais faire un tour au jardin, car je préfère ma foi, en voyant ce que parfois ceux des hommes peuvent faire, les discours des primevères, les bourdes des inepties, les fleurs en disent aussi. Mais jamais personne n'en meurt, et ça plaît à mon humeur. Le 1er mai c'est pas gai, je trime, dit le muguet, 10 fois plus que d'habitude, regrettable servitude. Muguet, sois pas chicaneur, car tu donnes du bonheur, pas cher à tout à chacun, brin de muguet, tu es quelqu'un. Mon nom savant me désole, appelez-moi tournesol, ronchonnel héliotrope, où je deviens misanthrope. Tournesol, c'est entendu, mais en échange veux-tu nous donner un gros paquet de graines de perroquet. Les glandines en rougissant, dit ça me tourne les sangs, que gratte-cul on me nomme, créneau d'un petit bonhomme. Les glandines on te promet de ne plus le faire, mais toi tu ne piqueras plus, adieu j'ai marché conclu. Les je t'aime un peu beaucoup ne sont guère de mon goût, les serments d'amour m'irritent, se plaignait la Marguerite, car c'est là mon infortune, aussitôt que débute une affaire sentimentale, j'y laisse tous mes pétales. Un myosotis s'exclamait, non je n'oublierai jamais, quand je vivrai 100 ans d'âge, 1000 ans et même davantage, plein de souvenirs salons, 100 ans c'est long, c'est bien long, même 20, même 10, pour un seul myosotis. Mais minuit sonnait déjà, Laurent pensant que mes chats, privés de leur mou peu cher, devaient dire, il exagère, et saluant mes amis, les fleurs je leur ai promis, que je reviendrai bientôt, et vive les végétaux. Car je préfère ma foi, en voyant ce que parfois ceux des hommes peuvent faire, les discours du primevère, des bourdes, des inepties, les fleurs en disent aussi. Mais jamais personne n'en meurt, et ça plaît à mon humeur. Mais jamais personne n'en meurt, et ça plaît à mon humeur. Nicolas Thévenin à la contrebasse. Merci. Patrick Auter à la guitare. Au chant et au piano, Paul Vandragen, s'il vous plaît. On va faire un essai. Attendez. Ça commence bien. On va se mettre à l'aise. Pour 2 ou 3 chansons, lesquelles, je le confesse, sont discutables sous le rapport du bon goût. J'ai la réputation d'un sacré pince-fesse, mais c'est une légende et j'en souffre beaucoup. En me voyant venir, femme, fille, fillette, au fur et à mesure, avec des cris aigus, remettre en lieu sur leurs fesses trop douillettes, suivis des jeunes gens aux rondeurs ambiguës. Les fesses, ça me plaît, je ne crains pas de le dire, sur l'herbe tendre, j'aimerais les faire rebondir. Dans certains cas, je vais jusqu'à les botter, mais Dieu m'est témoin que je ne les pince jamais. Quand une bonne sœur m'invite entre deux messes, à lui pincer la croupe infidèle à Jésus, pour chasser le démon qui habite ses fesses, je lui vide un grand verre d'eau bénite dessus. En revanche, si la même, en levant son cilice et me montrant ses reins, me dit j'ai mal ici, embrasse.
passez-moi de grâce, arrêtez mon supplice. Je m'exécute en parfait chrétien que je suis. Les fesses, ça me plaît, je ne crains pas de le dire. Sur l'air de temps, j'aime les faire rebondir. Dans certains cas, je vais jusqu'à les botter. Après la marchande de style, me prit des pouces et les traces que les doigts des mitrons ont laissé sur sa chair rebondie. Je la brosse, un Français se doit d'être pour toi. Et quand à la kermesse, une belle pratiquante m'appelle à son secours pour s'être enfoncé dans sa fesse maladroite, une herbe un peu piquante. Je ne ménage ni mes lèvres ni mes dents. Les fesses, ça me plaît, je ne crains pas de le dire. Sur l'herbe tendre, j'aime à les faire rebondir. Dans certains cas, je vais jusqu'à les botter. Mais Dieu m'est témoin que je ne les pince jamais. Certes, un jour j'ai pincé les minonces charnues à une moribonde afin de savoir si elle vivait encore. Une gifle est venue me prouver qu'elle n'était qu'en catalepsie. Enfin, si désormais quelqu'une de vos proches affirme en vous montrant son cul couvert de bleu, c'est moi qui les ai faits avec mes pattes croches. En doute, révoquer ces propos scandaleux. Les fesses, ça me plaît, je ne crains pas de le dire. Sur l'herbe tendre, j'aime à les faire rebondir. Dans certains cas, je vais jusqu'à les botter. Mais Dieu m'est témoin que je ne les pince jamais. Dieu m'est témoin. Dieu m'est témoin que je ne les pince jamais. Oh non. Petit souci de piano, apparemment. Magique. On a eu chaud. Il fait chaud à 7. Bon. Merci. Alors, on ne connaîtra jamais le visage de Jo, et pourtant, Jo, c'est la fille qui a ravagé le cœur de Brassens quand il était très jeune, il avait 24 ans, et elle, elle en avait 17. On n'a aucune image, mais on a un texte que Brassens a écrit, et qui s'intitule « Dieu lui pardonne ». Donc, elle lui a inspiré sûrement d'autres textes, évidemment, mais celui-ci en particulier, voici « Dieu lui pardonne ». Elle entra dans ma vie en patin sa roulette.
Elle était verdelette, elle était bachelette. L'amour, comme toujours, marchait à l'aveuglette. J'ai pas su m'écarter, j'ai fait une boulette. La publique rumeur m'a mis sur la sellette. La chair fut un peu triste, elle était pucelette. Et moi, je n'étais pas un véritable athlète. La fringale l'a pris, j'avais pas de galette. Elle quitta ma vie en patins à roulettes. Elle atterrit chez un boucher de la Villette. Dieu lui pardonne, elle adorait les côtelettes avec du serpolet et de la ciboulette. Ce fut un certain temps de dérive complète. J'eus même envie de me déguiser en squelette et lui faire envoyer dans une mallette, mais au soleil, pour qu'elle en fît des amulettes. Avec son souvenir, depuis je me connais. Son fantôme me suit en patins à roulettes. Son fantôme me suit en patins à roulettes. Merci beaucoup. Myosotis Trio, on a un disque magnifique qu'on a fait au mois de mai et qui s'appelle le Je bivouac au pays de Cocagne. Voilà. Ça tombe bien parce qu'on n'a pas encore fini de vendre le premier. Donc on peut même faire des lots de deux. Ce qui fait une économie substantielle pour l'acheteur. Fin de la réclame. Ceci dit, à la sortie, quand on aura fini, vous verrez, il y a Juliette, qui est une membre de Myosotis Trio, qui nous accompagne et qui va gentiment vous permettre d'acquérir ces objets magnifiques. Merci. Fin de la plage publicitaire. Voici à présent une histoire d'un curé, mais pas que, puisque vous allez voir le titre, il s'agit du mécréant, mais du mécréant repenti. Ne vous fiez plus à ma glotte pour crier à bas la calotte. Me voici réduit à néant, chantait un pauvre mécréant. Et sauf en cas de restriction, de pénurie, d'inanition, je ne vous ferai plus du curé qui fut mon menu préféré. Parce qu'un enfant de putain, de moine un foutu caletin, m'a quasiment sauvé la vie. Certains jours que le diable fit, certains jours que j'étais entré dans l'antre de ce tonsuré pour faire main basse dessus. Le tronc qui me semblait cossu, armé d'un petit bout de bois, soigneusement enduit de poids, je pêchais petit à petit le contenu du tronc suspect. J'avais déjà pris tout un tas de fausses pièces à l'éjuba et des douzaines de boutons de culottes à les faux jetons. Hélas, une enfant de Marie, salope
avant terme aux enfers. En entendant tout ce bordel, le curé sautant de l'autel a couru me sauver la mise qui semblait un peu compromise. Il a dit que Dieu lui pardonne ce qu'il a pris, je le lui donne. Et puis s'il est pauvre, il s'ensuit que le tronc des pauvres est à lui. Et cela dit, ce ratichon, ce satané fils de cochon, retourne à boire avec délice ce qui restait dans son calice. Et depuis ce péripétie, moi qui suis athée, Dieu merci, je vais parfois ouïr un bout de la messe à ce marabout. Il faudrait voir ce petit air quand entre le paternoster et le je vous salue Marie, d'un œil complice il me sourit. Quand il fait un signe de croix, il me l'adresse et de surcroît, quand son goupillon lance l'eau, bénit il me vise salaud. Ne vous fiez plus à ma glotte pour crier à bas la calotte. Quand un corbeau vient à passer, on ne m'entend plus croasser. Ne vous fiez plus à ma glotte pour crier à bas la calotte. Me voici réduit à néant. C'est un texte qui date des années 70, puisque Brassens fait allusion à la guerre au Vietnam, à sa manière évidemment. Voici la pacifiste. Moi, mes amours, c'est une brave fille, une pacifiste qui traverse la vie, un rameau d'olivier entre les dents. Cette position très noble et légitime pose parfois dans nos rapports intimes certains effets des plus incommodants. Quand je contente ma militante, qu'elle se pâme dans son délire, elle soupire. Au Vietnam, le jour de gloire où je l'ai dévêtu, ainsi que l'on dévoile une statue, je retombais sur terre anéantie en découvrant caché sous ses dentelles jusqu'où la propagande des centaines s'est fait se consteller de graffiti. Quand je contente ma militante, qu'elle se pâme dans son délire, elle soupire. Paix au Vietnam. Quand je me mets à genoux pour lui faire certaines dévotions particulières, profitant de ma posture aussitôt, qu'elle me croit au comble de l'ivresse, affectant de me couvrir de caresses, elle me colle des tracts sur le dos. Quand je contente ma militante, qu'elle se pâme dans son délire, elle soupire. Paix au Vietnam. Ce monde mettent un terme à cette guerre immonde, à ce massacre inutile et honteux, qu'il pacifie cette pauvre presqu'île, qu'on puisse enfin faire l'amour tranquille, sans complexe de culpabilité. Quand je contente ma militante, qu'elle se pâme dans son délire,
elle soupire. Paix au Vietnam. Elle soupire. Paix au Vietnam. Comme vous le savez, Brassens mettait aussi en musique d'autres poètes. Ils sont nombreux, et parmi ces poètes qu'il affectionnait, il y avait Paul Fort. Et quand Paul Fort, ils étaient devenus amis, et quand Paul Fort est mort, il a été enterré à Montlhéry en 1960, au mois d'avril, et il faisait très chaud. Voilà. Évidemment, Brassens y était. Et au retour de l'enterrement, alors quand exactement ça, hein, il a écrit ce texte, L'enterrement de Paul Fort. Voilà. Allons, voici l'enterrement de Paul Fort. Merci. Les oiseaux étaient dehors, et toutes les plantes aussi. Le petit cheval n'est pas mort, dans le mauvais temps, Dieu merci. Le bon soleil criait si fort, il fait beau qu'on était ravis. Moi, l'enterrement de Paul Fort fut le plus beau jour de ma vie. On comptait bien quelques pécores, quelques dindes à Montlhéry. Quelques méchants, que sais-je encore, des moches, des mauvais esprits. Mais qu'importe, après tous les morts sont à tout le monde, tant pis. Moi, l'enterrement de Paul Fort fut le plus beau jour de ma vie. Le curé allait un peu fort, de Requiem à mon avis. Longuement le penché sur le corps, il tirait l'âme à son profit. Comme s'il fallait un passeport au poète pour le paradis. S'il fallait à Dieu du renfort pour reconnaître ses amis. Tous derrière, en garde du corps, et lui devant, on a suivi. Le petit cheval n'est pas mort, comme un chien, je le certifie. Tous les oiseaux étaient dehors, et toutes les plantes aussi. Moi, l'enterrement de Paul Fort fut le plus beau jour de ma vie. Palam, pam, palam, pam, pam, pam. 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 Tous les oiseaux étaient dehors, et toutes les plantes aussi. Moi, l'enterrement de Paul Fort fut le plus beau jour de ma vie. Alors, on va parler des bacchantes. Et quand on parle des bacchantes, donc on est avec Georges Brassens, on imagine tout de suite les... Attendez, là, c'est interactif à ce moment-là. On va faire comme si on ne l'avait pas fait. On peut certainement tous ensemble, globalement, faire mieux. Mais ensemble. Quand on parle des bacchantes et qu'on est avec Georges Brassens, on imagine tout de suite les capillaires. Eh bien là, non, pas du tout, car il s'agit des prêtresses de Bacchus, allées en bacchanal. Les fameuses prêtresses de Bacchus.
Et là, vous allez voir la mésaventure justement d'un monsieur, curé, je crois, de son état, qui les a croisés. Voilà, ça s'appelle les Bacchantes. Aïe, 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 aïe. La mauvaise rencontre faite par le curé, les moines la racontent dans tous les prieurés. On dit que les Bacchantes allaient en escadron, qu'elles étaient 50, ça fait un compte rond. Un brave pêcheur d'âme qui les avait passées se dit les pauvres dames, faut les exorciser. De leurs âmes fragiles, faut déloger Satan. Avec ses évangiles, il partit à l'instant. Dès qu'elles aperçurent l'envoyé de Jésus, hurlantes de luxure, elles ont sauté dessus. Avec leurs dentelles, les mains et le lui nous, devant chacune d'elles, il fut mis à genoux. Il eut beau crier grâce, à genoux il servit la messe la plus basse qu'il eût jamais servi. Aïe, 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 aïe. D'où reviens-tu, mon frère, dans ce piteux état? Je reviens du calvaire, tantôt du Golgotha. Frère, ne sois pas triste, ton calvaire après tout, près de celui du Christ, nous paraît assez doux. Près de moi ta soudane, que sans perdre de temps, je cours vers cette âme, qu'elle m'en fasse autant. Que n'ai-je une soutane, je courrai à l'instant. Je courrai, Dieu me donne, m'en faire faire autant. Que n'ai-je une soutane, je courrai à l'instant. Je courrai, Dieu me donne, m'en faire faire autant. Nicolas Thévenin, la contrebasse, messieurs, dames. Merci, merci. Patrick Otter à la guitare, messieurs, dames. Paul Van Der Hagen, chant et piano. Messieurs, dames. Alors, la prochaine chanson va vous être présentée par Nicolas. Ah bon? C'est surprenant. Ouais, pas toujours le même non plus. Alors, pardon, comme il existe deux versions de présentation, bah faut choisir laquelle vous voulez entendre. Voilà. Il existe deux versions. Il existe la présentation sétoise, parce que Brassens et Sète, je crois qu'il y a un rapport. Et la version bretonne, parce qu'il y a aussi un rapport avec la Bretagne, les Ardrieux. Et donc, il faut choisir. Me direz-vous, qui va choisir? Vous. Mais comment allez-vous choisir? Alors, vous allez choisir, non pas en levant la main, non pas en votant, mais en vous exprimant et en criant « Ouais !» Pas mal. Tous les « Ouais » qui vont s'élever dans l'air vont être mesurés par un appareil de la création de Patrick. Un ouémètre. Il y a des antennes. Voilà, voilà. Et un bouton. Voilà. Le ouémètre. Qui mesure la quantité de ouémètre au mètre cube. On va, allons-y pas par quatre chemins. Carrément. À quelle vitesse, ça, on ne sait pas, mais très vite. Donc, on va procéder au choix. Vous avez votre petite idée. Qui choisit la version sétoise? C'est enregistré? C'est enregistré. Bon, ça c'est fait. Qui choisit la version bretonne? C'est enregistré? C'est enregistré. Il y en a qui votent plusieurs fois, hein, je pense. Alors,
Il n'y a pas photo. Ah. Bon, alors, s'il n'y a pas photo, ça sera la sétoise. On a bien fait de voter. Non, alors, la prochaine chanson s'appelle « Le petit-fils d'Oedipe ». Alors, voilà, Oedipe, au départ, est un bon gars. Et puis, il tue son père. Bon. Puis, il se marie avec sa mère. Bon, dans certaines régions, apparemment, c'est courant. Mais, à force de fricoter avec sa mère, il fait 4 enfants. 2 garçons, 2 filles. Et comme Brassens, et il a quand même l'esprit coquin, espiègle un peu, il imagine que la mère, finalement, elle aime bien les petits jeunes musclés et vigoureux et fricoterait bien avec de ses jeunes fils aussi. Pareil, dans certaines régions, les mêmes. Mais le fils, c'est bien le fils de sa mère. Mais il est aussi le fils d'Oedipe, qui est lui-même le fils de sa femme. Donc la mère, elle est en même temps la grand-mère. Alors si c'est la grand-mère, Oedipe, ça devient le grand-père, il est marié. Et bien donc le petit devient le petit-fils d'Oedipe. Oh, j'en ai perdu quelques-uns, je crois. Non mais écoutez la chanson, vous allez très bien comprendre. Voici le petit-fils d'Oedipe. On va voir. Petit problème, souci de retour. C'est Oedipe qui vient jouer des blagues. Papa m'envoie quérir 100 sous de mortadelle. En pochant la monnaie, moi je file au bordel. Où vas-tu, mon garçon, de cette allure fougueuse? Me lance grand-maman, je vais courir la gueuse. Il est inconvenant de fréquenter les putes. Tu m'en donnes la moitié juste et tu me culbutes. Quoique j'atteigne hélas un âge canonique, à bien des jeunes au pieu je fais encore la nique. D'abord ça te permet quelques économies, et puis le patrimoine sort pas de la famille. Je t'en mets 2,50 francs à cette bonne vieille. Ce fut une bonne affaire, elle baisait à merveille. Le père à mon retour me demande où est-elle. Le baffreur attendait son bout de mortadelle. En voyant la portion que je mis sur la table, l'auteur de mes jours poussa des cris épouvantables. Il parlait de beauté dans la région fessière, celle qui n'en pouvait ménageant de saucissière. Il ouvrit un museau de carpe suffocante quand il connut l'emploi des hôtes de France 50. T'as baisé ma maman, petite énergumène, t'avais qu'à commencer par pas baiser la mienne. Mon argumentation vous lui coupa la chic. Les Français ne résistent pas à la logique. Jusqu'à ce qu'elle rende l'âme, je connais ma grand-mère et basta qui me blâme. Quand la hausse des cours devient extravagante, mais mes blocs sont pris toujours 2,50 francs. Mais si mon père est pris d'une fringale de saucisse, il va l'acheter lui-même, excellent exercice. Du coup j'ai plus d'argent de peur que je n'en vole. Grand-mère m'accorde alors ses faveurs bénévoles. La morale soit sauvée, que la chanson finisse. Je baisse grand-mère à l'œil, le bon Dieu la bénisse. Je baisse grand-mère à l'œil, le bon Dieu la bénisse. Pour que la morale soit sauvée, que la chanson finisse. Je baisse grand-mère à l'œil, le bon Dieu la bénisse. Pour que la morale soit sauvée, que la chanson finisse. Merci beaucoup. Alors, comme vous le savez, une petite phrase justement qui avait été recopiée par Paul Fort à partir de Goethe.
et qui avait juste laissé la phrase comme ça, un tout petit peu plus développée. Et Brassens a continué, et ça a donné ce texte, « Il faut nous aimer vivants ». Sans curé, mère, notaire, ou avec, ça se défend. Il faut nous aimer sur terre, il faut nous aimer vivants. Ne crois pas au cimetière, il faut nous aimer avant. À moins d'être au monastère, et toi ma belle, au couvent. Il faut nous aimer sur terre, il faut nous aimer vivants. Ne crois pas au cimetière, il faut nous aimer ravants. N'embarquons pas pour Cythère, morts et froids, les pieds devant. Il faut nous aimer sur terre, il faut nous aimer vivants. Ne crois pas au cimetière, il faut nous aimer avant. Ma poussière et ta poussière deviendront le gré des vents. Il faut nous aimer sur terre, il faut nous aimer vivants. Ne crois pas au cimetière, il faut nous aimer avant. Quand même un Dieu salutaire ne prenouerait nos cœurs fervents. Il faut nous aimer sur terre, il faut nous aimer vivants. Ne crois pas au cimetière, il faut nous aimer. Merci. Alors, on va conclure. Ouais. Vous avez vu la pluie, vous avez vu le beau temps, le soleil qui est revenu ce midi, oh, chance. Puisque Patrick s'accorde et que nous avons un peu de temps aussi, on tient à remercier Cap Brassens, l'association complète avec tous ses bénévoles. Et on salue le travail évidemment de Dominique, le travail de toute l'équipe, Théo, et aux Lumières, je ne sais. Merci à Cap Brassens pour l'organisation de ce festival, à qui on espère une longue vie. On espère que ça va durer plus de 10 ans quand même, parce que ça serait bien, une belle histoire. Voilà. Et nous, on est à chaque fois très heureux de venir, franchement. On vous le dit. On vient du Gers. On est tranquille aussi là-bas. Il y a moins la Méditerranée, mais bon, il y a l'Armagnac. C'est ça. En gros, en résumé. Alors on va vous interpréter l'arc-en-ciel, qui vient toujours à un moment donné, l'arc-en-ciel d'un quart d'heure. Cet arc-en-ciel qui nous étonne quand il se lève après la pluie. S'il insiste, il fait monotone et l'on se détourne de lui. L'adage a raison, la meilleure chose entraînant se dévalue.
L'arc-en-ciel qui dure un quart d'heure, personne ne l'admire plus. L'arc-en-ciel qui dure un quart d'heure est superflu. L'arc-en-ciel qui dure un quart d'heure, personne ne l'admire plus. L'arc-en-ciel qui dure un quart d'heure est superflu. Celui que l'aura populaire avait mis au gouvernail quand il fallait sauver la galère en détresse dans l'ouragan. Passer péril en la demeure ne fut même pas réélu. L'arc-en-ciel qui dure un quart d'heure, personne ne l'admire plus. L'arc-en-ciel qui dure un quart d'heure est superflu. L'arc-en-ciel qui dure un quart d'heure, personne ne l'admire plus. L'arc-en-ciel qui dure un quart d'heure est superflu. Ce cabotin naguère illustre, et que la foule applaudisse, à tout rompre durant trois lustres, nul à présent ne sait qui c'est. Aucune lueur ne demeure de son étoile révolue. L'arc-en-ciel qui dure un quart d'heure, personne ne l'admire plus. L'arc-en-ciel qui dure un quart d'heure est superflu. L'arc-en-ciel qui dure un quart d'heure, personne ne l'admire plus. L'arc-en-ciel qui dure un quart d'heure est superflu. Adorable créature me répétait, je t'aime tant. Qu'à ta mort, sur ta sépulture, je me brûle vive à l'instant. À mon décès, l'ordonnateur des pompes funèbres lui plut. L'arc-en-ciel qui dure un quart d'heure, personne ne l'admire plus. L'arc-en-ciel qui dure un quart d'heure est superflu. L'arc-en-ciel qui dure un quart d'heure, personne ne l'admire plus. L'arc-en-ciel qui dure un quart d'heure, à la contrebasse, Nicolas Thévenin. Hey. L'arc-en-ciel qui dure un quart d'heure, personne ne l'admire plus. L'arc-en-ciel qui dure un quart d'heure est superflu. L'arc-en-ciel qui dure un quart d'heure, personne ne l'admire plus. L'arc-en-ciel qui dure un quart d'heure. À la guitare, Patrick Auter. L'arc-en-ciel qui dure un quart d'heure, personne ne l'admire plus. L'arc-en-ciel qui dure un quart d'heure est superflu. L'arc-en-ciel qui dure un quart d'heure, personne ne l'admire plus. L'arc-en-ciel qui dure un quart d'heure. Au chant et au piano, Paul Vandragen. L'arc-en-ciel qui dure un quart d'heure, personne ne l'admire plus. L'arc-en-ciel qui dure un quart d'heure est superflu. L'arc-en-ciel qui dure un quart d'heure, personne ne l'admire plus. L'arc-en-ciel qui dure un quart d'heure est superflu. L'arc-en-ciel qui dure un quart d'heure, personne ne l'admire plus. L'arc-en-ciel qui dure un quart d'heure est superflu. L'arc-en-ciel qui dure un quart d'heure, personne ne l'admire plus. L'arc-en-ciel qui dure un quart d'heure. Superflu.
N'oubliez pas la sortie. Vous avez... Non, c'est, j'ai 10 ans, Stuart, ta gueule à la sortie. Ah non, à la récré, pardon, pas à la sortie. Bon, une petite dernière, vous l'avez entendue tout à l'heure, on va vous la faire aussi. Vous allez la reconnaître et ça va être bien. D'ailleurs, en parlant de sortie, sachez qu'on a un livre d'or aussi, vous pouvez laisser un petit mot, des petits mots gentils, on adore ça. Et vos adresses mail, ce qui vous permettra d'avoir toutes les news du groupe. Merci. Et le livre d'or est à côté des CD. C'est un piège. Un petit point de vue géographique. Quand j'ai couru chanter ma petite chanson pour Marinette, la belle, la traîtresse était allée à l'opéra. Avec ma petite chanson, j'avais l'air d'un con. Ma mère, avec ma petite chanson, j'avais l'air d'un con. Quand j'ai couru porter mon pot de moutarde à Marinette, la belle, la traîtresse avait déjà fini de dîner. Avec mon petit beau, j'avais l'air d'un con. Ma mère, avec mon petit beau, j'avais l'air d'un con. Quand je voyais une détraite d'une bicyclette à Marinette, la belle, la traîtresse avait acheté une auto. Avec mon petit vélo, j'avais l'air d'un con. Ma mère, avec mon petit vélo, j'avais l'air d'un con. Quand j'ai couru tout chose au rendez-vous de Marinette, la belle disait je t'adore à un sale type qui l'embrassait. Avec mon bouquet de fleurs, j'avais l'air d'un con. Ma mère, avec mon bouquet de fleurs, j'avais l'air d'un con. Quand j'ai couru brûler la petite cervelle à Marinette, la belle était déjà morte d'un rhume mal placé. Avec mon revolver, j'avais l'air d'un con. Ma mère, avec mon revolver, j'avais l'air d'un con. J'ai couru lugubre à l'enterrement de Marinette, la belle, la traîtresse était déjà ressuscitée. Avec ma petite couronne, j'avais l'air d'un con. Ma mère, avec ma petite couronne, j'avais l'air d'un con. Avec ma petite couronne, j'avais l'air d'un con. Ma mère, avec ma petite couronne, j'avais l'air d'un con. Et vive Brassens. Merci beaucoup. On va quand même laisser la suite au prochain.